Vocabulaire maternel vise à développer le langage des enfants grâce à un apprentissage systématique du vocabulaire et des formes syntaxiques. Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour cette troisième vidéo dans laquelle je vais vous présenter un jeu que les enfants peuvent faire en petits groupes. J'ai appelé ça le jeu des commandes. Les enfants se placent en cercle, comme pour n'importe quel autre jeu de société, et vous placez plusieurs cartes au centre de la table. Chacun leur tour, les enfants vont devoir montrer une carte de leur choix en la nommant. Si le nom donné est correct, cet enfant peut garder la carte. Dans le cas contraire, la carte reste au centre et c'est à l'enfant suivant de jouer. Une pierre. Oui. Quand toutes les cartes ont été ramassées, l'enfant qui a le plus de cartes a gagné. Je propose également une autre variante de ce jeu. Les enfants sont toujours en cercle. Le premier enfant montre une carte à son voisin qui doit la nommer. Si le voisin nomme correctement cette carte, il peut la garder. Dans le cas contraire, elle reste au centre. Puis, cet enfant qui vient de nommer la carte montre à son tour une carte à son autre voisin, et ainsi de suite. Ce jeu est donc sensiblement le même que le précédent, sauf que l'enfant ne peut pas choisir la carte qu'il veut nommer, ce qui évidemment complique un peu sa tâche. Voici donc deux jeux très faciles à mettre en place puisqu'ils ne nécessitent aucun matériel à part les cartes. Je vous laisse donc les tester avec vos élèves et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Vocabulaire en maternelle, une solution complète pour toutes les activités de langage en maternelle.